Thank you.
Really.
Thank you.
Everyone who has chosen to stay on our island is welcome to seek shelter at the Undercrown. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Thank you.
Yamada, Nika, that means Maka, Jigar, Jad, Lamsia, Nika, Yamaka, Unka, Unka, Yamajati. Ah, vous revoilà. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ? Oui, je crois. Plus que ce que j'attendais, en tout cas. Ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe ? Escamaru est revenu ici après... après la famine ? Après la mort de son frère, vous voulez dire ? Je vous l'ai dit, ils étaient inséparables. Quand Sairi est mort, une part d'Amaru s'est éteinte avec lui. Il est repassé ici une fois, peu de temps après, et puis on ne l'a jamais revu. Il a voué sa vie entière au culte de Kukulkan. Il faut croire que la mort de son frère lui a fait revoir ses priorités. Merci. Vous m'avez été d'une immense aide. Koryanka avait raison. Cette roue est importante pour Amaru. C'est peut-être ce qu'il possède de plus précieux. On n'a aucune raison et aucun droit de l'en priver. Ça, c'est le Chupal. Donnez-lui ça. Amaru ? Que voulait cette prêtresse insolente ? Hein ? Donne-moi ça.
Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ah, le retour de la guerrière. Encore merci pour ton aide. Merci encore pour tout ce que tu as fait. On se retrouvera peut-être pour une autre aventure. Te revoilà. Alors, raconte. Je sais pas trop. Mais comment ça? J'ai rendu la roue chiffrée à Amaru. Ces messages n'ont aucune valeur pour la rébellion. C'est un objet personnel. Un souvenir qui représente l'amour d'Amaru pour son frère Sairi. Les codes indiquent différentes cachettes qu'avaient les frères un peu partout dans la ville. L'une d'entre elles contenait de la nourriture donnée par les Trinitaires, pour surmonter la famine. Mais Sairi n'a jamais reçu le message, parce qu'il était déjà mort. Amaru n'a pas toujours été l'homme qu'on connaît. Il a ses défauts, mais il pense vraiment venir en aide à Paititi. Je sais. Il a toujours eu une grande affection pour la ville et ses habitants. Mais aussi beaucoup de regrets.